J'étais sur le point de publier le troisième épisode de Brison Nick Drebel quand j'ai décidé à la place de faire ce commentaire sur la censure de la loi Molac qui a des implications capitales, comme le dit François Bayrou. Écoutez. Alors je ne connais pas les raisons de cette décision. Ce que je sais, c'est qu'elle est extrêmement dangereuse puisque c'est une décision qui, si elle était suivie, condamne à mort les écoles de langue selon la méthode immersive. La France, par sa position géographique à un carrefour migratoire, se retrouve avec 7 familles de langues autochtones, plus le corse, ce qui en fait l'État européen qui a la plus grande diversité linguistique. Et ça se retrouve aussi d'ailleurs dans la richesse culturelle du pays, particulièrement la richesse architecturale, où on retrouve une plus grande variété de styles que dans des pays culturellement très spectaculaires, comme l'Italie par exemple. C'est comme ça, il n'y a pas de quoi crâner, c'est les circonstances de l'histoire, et de toute évidence, ça plaît aux 89 millions de visiteurs par an, qui dépensaient jusqu'au début de la pandémie entre 50 et 60 milliards d'euros en France. Pour autant, ça ne veut pas dire que le citoyen moyen soit préoccupé de défendre son patrimoine civilisationnel 24 heures sur 24. Exemple, ma famille bretonne, adorable par ailleurs. Mais ça aussi, c'est comme ça. Les gens ont une vie à mener, des vaches à traire, des créanciers à enrichir, et ils n'ont pas beaucoup de temps ni d'argent à mettre dans la militance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attachés à leur héritage. Et c'est ça le problème. L'attachement profond des gens à leur héritage, c'est très difficile à évaluer, parce que ça se passe essentiellement à l'intérieur. Mais tôt ou tard, ça ressurgit. Inévitablement. À moins d'avoir réussi le génocide parfait, mais même des très bons comme Adolf Hitler n'y sont pas arrivés. Alors, monsieur Xi Jinping, vos petits-enfants seront morts, que les Tibétains et les Ouïghours seront toujours à lutter contre votre politique d'éradication. Et madame Le Pen, vos petits-enfants seront morts, que les Catalans, les Alsaciens et a fortiori les Arabes et les Africains qui vivent en France continueront toujours à s'accrocher à leur langue, à leur culture et pour les immigrés, à leur religion, parce que, à part leur langue, c'est la seule chose qu'ils ont pu amener avec eux. Et plus ils sentiront le désintérêt du reste de la population, plus ils s'y accrocheront. Et nos députés, qui sont des gens de terrain comparés au pouvoir exécutif, font l'expérience journalière du besoin identitaire. Et ça explique comment cette loi Molac, sur un sujet qui est alors le cadet des soucis du microcosme parisien, a été votée à une très forte majorité de 247 voix pour, 76 contre et 19 abstentions, si je me trompe. Et ça, au début de la troisième décennie du troisième millénaire, alors que partout dans le monde, les dominants ont déjà détruit ou dégradé de façon plus ou moins délibérée, plus ou moins violente et plus ou moins irrémédiable la diversité culturelle et linguistique de l'humanité. Et là, surprise! On croyait que l'affaire des langues régionales était en train de s'évaporer tout doucement au fur et à mesure de la chute des dents des derniers locuteurs. Eh ben non, là qu'on en refait. Et avec des dents de lait en plus, comme mon fils cadet. Essayons de comprendre cette résurgence. Premier facteur selon moi, l'accélération d'une dégradation du cadre de vie d'un nombre exponentiellement croissant de gens et à un rythme et dans des proportions de plus en plus massives, dont dans les 30 ou 40 dernières années, deux principales manifestations sautent aux yeux, surtout si on habite en zone urbaine ou périurbaine. Premièrement, des millions de tonnes de ferraille et de béton qui se dressent toujours plus haut, toujours plus gros, et qui couvrent toujours plus de forêts et de terres agricoles, et parmi les meilleures, comme par exemple sur le plateau de Saclay, vous savez, le Grand Paris, et qui d'après certaines mauvaises langues, sont la contrepartie en nature, c'est le cas de le dire, des donations de la part des multinationales du BTP sur lesquelles compte M. Macron pour financer sa prochaine campagne présidentielle. Deuxièmement, une politique démographique agressive, spéculative, basée sur l'immigration, visant à créer une pression à la baisse sur les salaires et une fausse croissance du PIB, qui a fait quand même augmenter la population de 13 millions d'habitants depuis que j'étais enfant. Pour l'essentiel, des personnes de langue, de culture, de religion externes à la France, avec qui sont précisément les Français les moins aisés et les moins équipés pour le faire, qui doivent cohabiter. Ce qui a créé le fonds de commerce de la dynastie Le Pen. Mais quelle dynastie préfère attirer l'attention sur les immigrés plutôt que sur les promoteurs et les bénéficiaires de l'immigration, dans les secteurs par exemple de l'industrie, du commerce, des BTP, de l'immobilier, qui sont bien sûr tous des donateurs potentiels.
Ces bouleversements profonds, imposés sans ménagement et pratiquement sans consultation, à mes grands-parents, à mes parents et à moi-même au cours de nos vies, ont des points communs avec ce qu'ont vécu les populations autochtones des Amériques ou d'Australie, par exemple, bon, toute proportion gardée, mais quand même, exemple, le taux de suicide en Bretagne, où le suicide a été classé priorité régionale d'ailleurs, et qui était le même que le taux de suicide des indigènes d'Australie et d'Amérique du Nord, soit le double de leur moyenne nationale, en 2012 en tout cas, quand j'ai fait les recherches nécessaires pour publier un article universitaire sur ce sujet, et je dois dire qu'en tant que breton par ma mère, j'en ai fait l'expérience très personnellement. Ce genre de choses n'arrive ni par hasard, ni sans laisser de traces. Et les députés français savent très bien que la sauvegarde des terroirs culturels familiers, dont les langues font partie, et de tout autre facteur d'identité historique, sont un moyen pour les gens de se reconstruire et d'échapper à la dépersonnalisation et à l'effacement dans une pseudo-culture uniformisée, comme disait Louis Le Pincec, ministre de la Mer, évidemment breton, en 1981. La saisine hostile du Conseil constitutionnel pour faire censurer la loi Molac est l'initiative personnelle de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation et d'une bande de députés de son parti. Pour la comprendre, regardons un peu sa biographie. Fils d'avocat, il a grandi dans 250 mètres carrés boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement de Paris, quartier d'affaires suprêmement bourgeois. La première partie de sa vie a été focalisée sur la réussite scolaire, puis professionnelle, et il a mené les deux absolument brillamment. Il a vite accumulé les postes hiérarchiquement élevés, et on a l'impression qu'ensuite, une propagation de cette réussite scolaire de haut niveau par la compétition est devenue sa passion, notamment comme inspirateur de la politique éducative de Nicolas Sarkozy, qui, il faut le dire, n'était guère passionné par le sujet de l'éducation et qui lui a laissé largement carte blanche, y compris le droit de passer par-dessus son ministre de tutelle, puisque Blanquer n'était pas ministre. Et c'est peut-être là qu'il a contracté une habitude d'imposer subrepticement sa volonté. Sous Hollande, il se replie sur le poste de directeur de l'ESSEC, où, incidemment, on apprend à faire fonctionner le système économique et financier qui détruit et notre tissu social, dont fait partie la diversité linguistique, et la planète qui nous nourrit. Puis, avec le retour de la droite au pouvoir, c'est-à-dire de M. Macron, converti comme son président socialiste M. Hollande au néolibéralisme, notre ancien directeur de l'ESSEC, lui-même néolibéral convaincu, est toujours animé de sa passion de chambouler le système éducatif, rejoint immédiatement l'équipe gouvernante en tant que ministre de l'Éducation, ce qu'il est toujours. On pourrait le résumer comme ça. Capacité intellectuelle d'exception, jointe à une idéalisation de ses capacités et à l'ambition de les identifier et de les faire s'épanouir chez un maximum d'élèves et d'étudiants afin de les faire accéder à l'élite. Ça a un côté louable, sauf que dans un système éducatif délabré, à la traîne des pays voisins où on ramasse des morceaux de façade d'université par terre comme ça m'est arrivé dans la cour de l'UBO à Brest, ce genre d'idéal, pour faire simple, se réduit par construction à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire couper dans les budgets, supprimer des postes tous azimuts et en fin de compte, pousser en avant les meilleurs et laisser crever les autres. Et pour l'aider dans sa tâche de rationalisation, il remplace des universitaires par des bureaucrates gestionnaires à la tête des académies. Exactement comme on fait ici en Australie, si ça peut vous consoler, sous les louanges lointaines mais enthousiastes de Marion Maréchal Le Pen dans son anglais très hésitant. Tenez. We have beautiful example of this different national path here today. The national conservatism of Donald Trump, the illiberalism of Viktor Orban, the sovereignism of Boris Johnson, the Australian liberal conservatism. Vous voyez, elle parle de nous. Elle nous aime bien depuis qu'on est gouverné par une coalition droite-extrême droite. Comme appréciation du travail de Jean-Michel Blanquer, voici deux titres d'études récemment parues sur le bilan de son action. Tenez-vous bien. Jean-Michel Blanquer, l'Attila des écoles et le fiasco Blanquer. Et quand on met des bureaucrates néolibéraux ou carrément des hommes d'affaires, comme c'est le cas en Australie, plutôt que des éducateurs et des chercheurs à la tête d'un système éducatif, ça finit toujours par être les mêmes considérations de marketing et un gros bon sens comptable qui prévalent,
du genre quand même c'est plus utile de faire de l'informatique que des sciences sociales, ou bien l'anglais c'est quand même plus utile que l'occitan. Et c'est justement sous la houlette de Jean-Michel Blanquer que l'anglais est maintenant offert en concurrence avec les langues régionales dans le cadre de l'initiation à l'enseignement des langues en primaire. Sauf que les concepteurs et réformateurs en série du système éducatif français n'arrivent toujours et encore qu'à produire une proportion pitoyable de bacheliers ayant une quelconque maîtrise opérationnelle de l'anglais. Et l'anglais en France, c'est la langue de personne. Mais si on fait sa scolarité, et je dis bien sa scolarité, pas une initiation d'une heure par semaine, si on fait sa scolarité en langue régionale, pour raison d'appartenance culturelle et a fortiori par militantisme, on va nécessairement maîtriser cette langue. Et on va surmonter l'essentiel, qui est la démarche d'apprentissage d'une langue. Et ça, c'est bon pour l'amour propre, c'est très motivant, et ça fait baisser le taux de suicide, comme on l'a constaté chez les Inuits au Canada. Et ça donne d'énormes facilités ensuite pour apprendre une autre langue. D'où les excellents résultats du lycée Diwan de Carhaix, nouvellement anticonstitutionnel, dans ce domaine. Pour ceux qui ne savent pas, Carhaix, c'est un trou paumé dans le centre-Bretagne. Oh, gosse! Je n'ai pas dit ça. Mais par contre, il ne doit pas y avoir beaucoup de lycéens de l'Académie de Versailles qui soient aussi fiers de leur lycée que les jeunes du lycée Diwan de Carhaix. C'est ça qu'on cherche en éducation. Des élèves fiers et bien construits dans leur tête. Pas d'un côté une élite et de l'autre des laissés pour compte, chômeurs, amers, sans amour propre, éventuellement tentés par un djihad bon marché à coups de couteau acheté chez Carrefour ou plus classe à coups de kalachnikov acheté pour 1000 euros en bas de l'immeuble. Et je ne suis pas le seul à voir cette corrélation. Et puis pour en revenir à l'élite, il faudrait définir ce que c'est qu'une élite. Parce que le mot implique une excellence dans un domaine ou un autre, et pas simplement d'avoir survécu depuis son enfance à des années d'un processus éliminatoire atroce qui vous donne droit enfin, au bout du compte, à faire partie d'un petit groupe exclusif. Ça, ça n'a rien à voir avec une élite. C'est une caste. Et qu'est-ce qui déplaît tant justement à cette caste dans les langues et les cultures régionales? Qu'on puisse avoir une culture différente de la leur? Qu'on n'ait pas envie de leur ressembler? Est-ce que ça les énerve tout simplement pas qu'on veuille hausser des cultures et des langues de gens humbles, de paysans, au même niveau que la leur? Et aussi qu'on ait quelque chose qu'ils n'ont pas? Vous savez, c'est le syndrome du gamin qui casse le jouet de l'autre. Je dis pas ça pour les diaboliser, mais il s'agit là d'émotions humaines que tout le monde a à un moment ou un autre. Et il est bon de rappeler qu'elles déterminent pas mal de choses, pas mal de comportements dans la vie, qu'on camoufle sous des dehors de rationalité. Pourtant, la vraie rationalité voudrait qu'on prenne en compte le succès de l'enseignement des langues régionales et en général le succès des sociétés qui acceptent leur multilinguisme comme la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, et qui, soit dit en passant, n'ont rien vécu de comparable à la ribambelle d'attentats terroristes perpétrés sur notre sol en majorité par des ressortissants français qui ont fait 300 morts et 500 estropiés, ou aux émeutes de 2005, ou à la crise des Gilets jaunes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le personnel politique de ce pays n'a vraiment pas de quoi se vanter en matière de gestion des tensions internes à la société. Et puis n'oublions pas le simple fait que les dominants préfèrent que les gens soient des petits pions au milieu d'une masse énorme, plutôt que rassemblés et donc plus forts dans des communautés solidaires. Et les gens le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils se rassemblent justement autour d'une cause commune, dont la pratique d'une langue minoritaire est un exemple classique. Et c'est pourquoi, dans tous les épisodes d'oppression ou d'intégration forcée, on trouve le phénomène d'éradication linguistique. Voyons la position officielle de M. Blanquer. Sous des dehors respectables et en toute hypocrisie, il dit ne soumettre la loi Molac au Conseil constitutionnel que par précaution. Autrement dit, pour son bien. Regardez. Et regardez aussi la réaction de Molac, qui montre bien qu'il n'est pas dupe. Dans l'hémicycle même, il est vrai que j'ai formulé des questions de nature constitutionnelle. Mais au titre de la conformité à l'article 2 de la Constitution, qui n'est quand même pas une petite chose, puisqu'il s'agit de l'affirmation du français comme langue de la République. Si votre proposition de loi, qui en tant que proposition de loi n'a pu être examinée par le Conseil d'État auparavant, passe au Conseil constitutionnel, elle en sortira renforcée. C'est beaucoup mieux que si elle était contestée dans quelques mois au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Des contestations ultérieures, ah bon, et par qui? Maintenant, je voudrais pointer vers un autre facteur d'opposition à la loi Molac, qui est soulevé à demi-mot ici et là, mais autant que je sache, ne l'a été par aucun membre du gouvernement.
Et voici maintenant quelqu'un qui n'est pas au gouvernement et qui devrait normalement être beaucoup plus libre de ses propos, mais qui pourtant lui aussi tourne autour du pot, tant le sujet est à la fois miné et critique. Voyez. Je vous le dis clairement au nom de notre groupe, nous ne sommes pas favorables au développement aujourd'hui de ces écoles régionales, notamment qui pratiquent l'enseignement immersif. Attention, attention, si vous ne voyez pas là tout de même autre chose que quelque chose qu'il faut accueillir de manière bienveillante, je pense que vous vous trompez. Car tout cela va de pair parfois avec toute une série d'idéologies identitaires anti-républicaines qu'il faut observer. Je le dis, autant je suis pour défendre l'enseignement des langues régionales, autant je dis, mes collègues Le Fur, que le ministère de l'Éducation nationale quand même garde le contrôle de tout cela. Je voulais terminer sur autre chose, collègue Le Fur, sans que... Lorsque vous évoquez l'argument que des familles souhaitent que leurs enfants parlent la langue de leurs parents, etc., argument qu'on peut entendre. Mais attention, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis. Pour beaucoup de Français, la langue de leurs parents n'est pas une langue régionale. Comment nous accueillons ça? Et est-ce que nous laissons se développer avec de bons droits, des gens de bonne foi qui vont dire « Mais moi, je suis portugais, mes grands-parents sont portugais, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée, je veux que mes enfants parlent arabe, etc. » Il y a là un vrai sujet. Merci. Maintenant, histoire d'aider à crever l'abcès, mettons les pieds dans le plat. Le facteur derrière l'excitation hostile de M. Blanquer et de son groupe de fidèles contre les langues régionales comme moyen d'enseignement général, c'est la peur que si on valide l'enseignement immersif en langue régionale, les musulmans vont s'engouffrer dans la brèche pour demander un enseignement immersif en arabe. Ce qui saperait l'initiative anti-séparatisme de M. Macron, dont je doute pas qu'elle lui tienne à cœur, mais sur laquelle il doit aussi compter pas mal pour gagner quelques voix lepénistes. Ce serait une aubaine pour l'extrême droite, hostile par principe à toute officialisation d'une minorité, surtout linguistique, quelle qu'elle soit, et à tout financement public d'un enseignement en langue minoritaire. Et c'est sur ce point financier d'ailleurs que les auteurs de la saisine ont cherché à obtenir la censure du Conseil constitutionnel. Et ils ne l'ont pas obtenu, mais ce qu'ils ont obtenu, c'est pire. Parce que, en déclarant l'enseignement immersif anticonstitutionnel, donc de fait illégal, ils offrent aux collectivités locales hostiles le prétexte rêvé de refuser un financement. Or, sans moyens financiers publics, il n'y a pas de possibilité de soutenir la pratique et surtout un enseignement sérieux des langues minoritaires, ni d'ailleurs aucune initiative culturelle quelle qu'elle soit, parce que d'une façon générale, tout ce qui est culturel, c'est pas trop la priorité pour les gens, sauf si c'est un rapport avec leur identité personnelle, sauf si c'est lié à leur vécu communautaire. Mais même là, ils sont quand même pas trop prêts, ni surtout trop en mesure de mettre la main au porte-monnaie. Donc, si vous réussissez à faire passer le message qu'à cause des langues minoritaires, les gens vont payer plus d'impôts, le tour est joué. Et si en plus, c'est pas une langue minoritaire régionale dont il s'agit, mais une langue importée, comme l'arabe en particulier, alors là, pas besoin de vous faire un dessin. Et M. Blanquer, au joli nom provençal, qui est un nom de métier, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en italien, c'est un bianchiero. C'est une spécialité de la Ligurie, dont la Provence est la continuation. Et j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Bianchieri et qui m'a expliqué ce que ça voulait dire. Et clairement, Blanquer, c'est ce mot-là et ça se prononce Blanquier. C'est un qui fait le cuir fin, bien blanc, de moutons et de chèvres, avec lequel on fait les gants, les porte-monnaies, les petits trucs comme ça. Vous pensez pas que ça vaut la peine d'être su, ce genre de choses? Et je suppose que M. Blanquer, il le sait, même si, dans sa vie d'homme important, il a probablement pas eu le temps d'apprendre le provençal de ses ancêtres. En tout cas, M. Blanquer et ses collègues se doutent bien que si des représentants de la communauté immigrée ou descendants invoquent la loi Molac, et certains le feront, pour exiger les mêmes droits que les Basques ou les Alsaciens ou les Bretons, il ne sera pas question de dire non sous prétexte que leurs langues, particulièrement l'arabe, ne sont pas de chez nous. Alors que pendant 130 ans, l'Algérie s'était considérée comme chez nous. Il y a en France 4 millions de locuteurs d'arabe, dont certains depuis 3 générations. Et combien de locuteurs de langue régionale? Allez, à la louche, 400 000? Donc la solution, pense-t-il, avec naïveté, c'est de permettre à personne d'enseigner par immersion dans une langue autre que le français. Cette affaire de censure, c'est en fait pour les défenseurs des langues minoritaires une occasion en or de faire passer le message que pour que la France s'apaise, ce qui est dans l'intérêt de tout le monde, il faut qu'elle accueille enfin ses diversités et ses minorités. Parce qu'une France apaisée, sera multiculturelle et multilingue,
ce qui est sa nature historique depuis 2000 ans, ou ne sera pas. Je comprends que ça dérange beaucoup de gens, parce que le multiculturalisme et le multilinguisme en France n'ont jamais vraiment été un sujet, ni fait l'objet d'une stratégie de long terme, et encore moins d'une promotion institutionnelle digne de ce nom. Si vous êtes arabe, c'est du genre « Ah, vous êtes tunisien ? Ah bah tiens, mon pharmacien est allé au Club Med d'Amamet. Il a dit que le couscous était vachement bon. » Une petite anecdote que j'oublierai jamais et dont je remercie le ciel de m'avoir rendu témoin quand j'avais une quinzaine d'années, parce qu'elle m'a donné beaucoup à réfléchir. Il y avait sur France Inter une interview du roi Hassan II du Maroc. Et j'écoutais d'une oreille distraite les questions et les réponses sans grand intérêt et très politiquement correct du journaliste et du roi, quand tout d'un coup, Hassan II, en toute courtoisie, en toute bonhomie, mais avec une perceptible pointe de sarcasme, rétorque au journaliste « Ah, mais vous savez, nous savons toute votre culture, mais vous ne savez rien de la nôtre. Et on a fait pareil avec nos propres minorités. Ah, vous êtes breton ? Ah ben, vous devez bien savoir faire les crêpes, alors. On a ignoré nos minorités nationales comme on a ignoré nos minorités immigrées. On a tout au plus réussi à arracher une certaine reconnaissance de l'existence d'autre chose que le français de Paris. Enfin bref, tout ce qui était interne à la France a essentiellement été agressivement éradiqué à partir des années 1880. Pendant les périodes fastes, il a été plus facile pour les victimes de cette éradication de la supporter, parce que soi-disant c'était le progrès et puis ils semblaient en profiter. Les gens se sont consolés en consommant, et c'était tout ce qu'on leur demandait, pour faire grossir l'économie et faire tourner l'industrie. Pendant qu'on était encore dans la période faste, la pilule de l'immigration est passé aussi, autant pour les locaux que pour les immigrés eux-mêmes, évidemment déracinés et en souffrance, et avec qui on avait un contentieux historique énorme. À Sarcelles, dans les années 60, il y avait une population mélangée de Français, de Juifs rapatriés et d'Arabes qui vivaient dans une harmonie quasi utopique. Des gens de ma famille ont connu ça. Seulement voilà, les années fastes sont derrière nous et le chômage est devenu endémique. Alors ça coince. Ce qui importe, c'est pas d'endosser une identité la même pour tous, la fameuse assimilation chère aux dames Le Pen, tante et nièce. On annexe ou on envahit les gens, on chamboule leur société, on leur tape dessus, et ensuite on les attire chez soi pour bosser pour pas cher, et il faudrait qu'en plus, ils abandonnent leur langue, leur religion, et qu'ils donnent des noms français à leurs enfants. Mais ouvrez les yeux, madame Le Pen, et redescendez sur terre de temps en temps. Ce qui importe au contraire, c'est de respecter l'identité de chacun pour commencer en lui montrant un tant soit peu d'intérêt et parallèlement de s'entendre sur des valeurs communes. Ça, c'est compatible avec à la fois une cohésion nationale, la préservation de l'identité culturelle des minorités qui est un besoin vital pour elles et un multilinguisme historiquement normal dans toutes les communautés humaines vivant sur des aires géographiques un tant soit peu étendues. Le monolinguisme, c'est un phénomène récent. La norme sur cette planète, c'est le multilinguisme. Comme en Inde, comme en Afrique, comme en Asie, et comme en France, en fait, jusque dans les années 20 au moins. Rien que dans ma famille, on parlait alsacien, berrichon, breton, franc-comtois, langue maternelle, et comme langue de l'immigration, italien et arabe à travers une tante juive marocaine. Il ne s'agit pas de séparatisme, mais d'additionner, disons, enfin, sans tomber dans le lyrisme, les forces vives des communautés régionales ou autres, pour construire une vigueur communautaire nationale, comme en Suisse, comme au Canada, comme au Luxembourg et ailleurs. Maintenant, je sais que dans cette équation se trouve l'islam, puisque l'islam accompagne la langue arabe, comme le christianisme accompagne la langue européenne. Je sais aussi que les Français se sont battus longtemps et très dur pour s'extirper de la collusion délétère entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. De là vient notre principe de laïcité institutionnelle. Ça a assaini la religion et ça a permis au clergé d'enfin s'acquitter de sa vraie mission, qui est spirituelle et philosophique. Cette mission, c'est aussi celle des imams. Et c'est comme ça que le voit l'immense majorité des musulmans qui ne sont en aucun cas favorables à un gouvernement du clergé, ni ne soutiennent la poignée de pervers qui invoquent leur religion pour justifier de jouer pour de vrai à Call of Duty ou à Fortnite. Pour gérer cela, on a une armée et une police, et on sait fermer les mosquées et les écoles qui prêchent la haine et la violence. Bon, bien sûr, il y aura encore des atrocités de commises. On ne va pas solutionner le problème en une loi, en une foi. Moi, j'ai été très proche de quelqu'un dont la nièce était au Bataclan. Elle a survécu, couverte de sang, en se cachant derrière des cadavres. Mais en tant que nation, on a quand même survécu à deux guerres mondiales. Comme disait récemment la romancière Faïz Aghen, je cite, « On a tellement de ressources pour repenser le modèle français. Notre inquiétude n'est pas fondée. »
Effectivement, comment peut-on se laisser transir de peur par une demande sociale pour une reconnaissance de l'identité alsacienne, corse, bretonne ou arabo-africaine? L'abondance matérielle nous aurait donc tant ramolli? Et là est mon dernier point. Nous sommes entrés dans une période où l'abondance matérielle est remise en cause et est en train de se restreindre. Pour atténuer les effets déstabilisants de cette restriction, on doit passer d'une paix civique basée sur l'anesthésie par la consommation à une vraie harmonie sociale, beaucoup moins dépendante du matériel et basée sur la santé psychologique de la population. Et ça, c'est au-delà des compétences de la police et de l'armée, mais c'est un contexte où l'éducation, la culture, les arts, les langues, les traditions, y compris religieuses, comme c'est beaucoup le cas en Bretagne, auront à jouer un rôle essentiel de solidification psychologique des individus et de cohésion sociale. Et les gens qui ont grandi dans des appartements haussmanniens de 250 mètres carrés, s'ils n'ont rien connu d'autre, ne sont pas vraiment bien placés pour comprendre ça. Et ne pas le comprendre nous serait fatal. Maintenant, la loi Molac a été votée à une très forte majorité de 247 voix contre 76. Mais l'attaque menée via le Conseil constitutionnel a réussi. Et on est maintenant dans une situation où seule une modification de la Constitution, comme le suggère François Bayrou, peut annuler la mise de fait hors la loi de l'enseignement immersif de D1 et de toutes les autres écoles par immersion. Une modification de la Constitution, ça va demander la coopération d'un plus grand nombre de députés et du Sénat, qui traditionnellement est considéré comme antiprogressiste, ou du président de la République, qui pourrait recourir à l'article 11 de la Constitution pour déclencher un référendum. Vous croyez qu'on a une chance ? La réalité est que notre combat pour le maintien d'une diversité culturelle et linguistique en France est un dur combat, et un combat inégal, tout comme le combat pour la diversité biologique. Il suffit de voir à quel point est petit le nombre de gens qui ont le temps et les moyens de s'opposer aux bulldozers mécaniques sur le plateau de Saclay et, dans notre cas, aux bulldozers juridiques du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi, pour commencer, il faut se serrer les rangs avec tous nos alliés potentiels des aires linguistiques qu'on partage avec des pays voisins, basques, catalans, gallois, etc., pour augmenter notre crédit de légitimité. Et aussi avec ceux des pays voisins qui, contrairement à la France et à l'Espagne, ne sont pas hostiles à leur propre diversité linguistique et culturelle, telles que l'Allemagne et l'Italie, par exemple. Et puis, bien sûr, les minorités linguistiques présentes en France, y compris celles qui sont externes à l'Europe, à qui on peut, entre autres, offrir une plus grande démonstration de compréhension parce qu'on a vécu des choses très similaires à eux, un complément de légitimité et une expertise pratique acquise sur 50 ans d'enseignement immersif en langue minoritaire dans le respect des institutions. Tandis que, de leur côté, peuvent entre autres nous aider par leur poids démographique. Les politiques ne répondent qu'à la pression qu'une masse critique peut faire peser sur une élection. Et justement, les présidentielles arrivent. Et ce qu'on observe, c'est que devant l'importance qu'est en train de prendre la question des minorités linguistiques et culturelles, même les plus obtus sont en train de mollir. Profitons-en. Pour conclure, la question n'est pas de savoir si j'ai fait des erreurs d'interprétation ou d'analyse ou des erreurs factuelles dans cette vidéo, mais lesquelles j'ai faites. C'est une réaction à chaud et, pour l'essentiel, mon but, c'est avant tout d'exprimer ma solidarité avec les gens qui ont compris l'importance de la trame historique tissée au cours de l'évolution des sociétés et qui éclaire, si on veut bien se pencher dessus, nos décisions présentes et futures. Cette trame est en croissance permanente et en permanente évolution. Donc oui, elle peut impliquer l'extinction de quelque chose, d'une langue ou d'une culture par exemple, on est bien d'accord. Mais pas dans la précipitation et en une seule génération. Et puis, elle implique aussi la renaissance, comme on l'a vu avec l'hébreu par exemple. L'éradication précipitée de la diversité linguistique décidée et menée depuis un siècle par des preneurs de décisions qui n'y connaissent rien et qui sont pétris de certitudes bien faillibles, motivés surtout par l'intérêt et déterminés fondamentalement par des préjugés arrogants, donc par l'ignorance. Cette éradication n'est pas une fatalité. Dan diaul gablanca, ne sgigunista brise el neonjuas. Ou sinon, je l'essaye en provençal. L'emporter le diable vous sublanquer. Non gagner la guerre en car. Merci de vous intéresser au sujet.